c'est Dredri, on se retrouve pour une toute vidéo sur Overwatch, sur le PTR. Nous allons tester le nouveau héros, donc Moira. Alors j'espère que ça vous plaira. Donc on va tester, bien sûr, il y aura le mode uniquement, de toute façon qu'on voyait le mode de dispo uniquement, le sans limite, hein, il n'y a rien d'autre. Hein. Donc on va tester ça, on va faire une petite ellipse, parce que j'avais déjà testé vite fait de lancer 15 minutes, il n'y avait rien. Donc s'il faut attendre un temps 15 minutes, je vous fais une... petite, comment dire, une petite ellipse, on se retrouve juste de suite. Voilà, Mina Mina. Et nous sommes donc sur donc voilà, nous sommes donc sur le PTR, comme vous voyez. On va tester, donc je vais vous montrer les différents sorts de Moira. Donc nous avons la... donc Moira dotée de plusieurs choses. Donc vous voyez là, elle peut soigner, la jauge se descend. Alors il y a une possibilité, soit elle se régénère toute seule, soit vous faites un sort de dégâts qui n'a pas besoin d'être rechargé pour recharger le soin. Vous avez le sort de TP, vous avancez loin, vous arrêtez. Sinon vous avez l'orbe. Alors soit vous lancez un soin et pendant toute, regardez, pendant toute la durée, le sort va rebondir sur toute la map. Et quand ça va être terminé, il va exploser. Vous allez voir. Voilà, il a disparu, je fais ça. Je lance un sort de dégâts. Pendant 10 secondes, mon sort de dégâts va rebondir. Voilà, toi tu dégages. Ensuite, on va lancer une orbe de dégâts ici. L'orbe de dégâts, bah, comme vous savez, fait des dégâts. Donc on, là, on va se mettre sur elle. Là. Et on la tue. Là, on va régénérer un peu les types. Et vous n'avez pas besoin de recharger la partie, de recharger les munitions, donc ce qui est très excellent. En fait, vous avez une quantité illimitée de dégâts. Vous avez une quantité illimitée de dégâts. Donc voilà, là vous voyez, on a entendu un bruit, c'est que j'ai touché quelqu'un avec mon attaque. Donc on a juste encore besoin de... Oula, il faut que je régène un allié, il faut que je régène les alliés. Voilà. On va régène les alliés. Merde, j'aurais pas dû utiliser ma TP maintenant. On va faire grave, donc on va avancer un petit peu en mode rapidos. J'ai entendu un faucheur, donc c'est bon, il s'est barré. Donc là, voilà, on la tue, donc c'est bon. Elle dégage. Et l'ultime de Moira est un énorme rayon laser qui va infliger d'énormes dégâts. Et on peut utiliser notre ultime, enfin notre TP, pour se barrer à perpète, bien sûr. Merci, 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 merci. Et on peut être mobile pendant notre ultime, régène nos alliés, tuer les ennemis. On va essayer de renvoyer un truc de dégâts, voilà, nickel. Nous, moi, je vais me dégager avec ça. Oula, donc un Enzo qui est derrière caché. Je
va soigner nos coéquipiers là. Donc franchement le gameplay est juste énorme hein, on va pas se mentir. Voilà, dégage. On va tous se soigner. On va lancer une petite orbe de dégâts comme ça en mode dans le vide. Voilà. Non merde. Bon bah il m'a tué. Tant pis donc voilà. Donc comme vous savez, donc on a un heal, on a un dégât, on a une orbe à lancer entre heal et dégât, on a un méga dash et on a un énorme rayon qui nous permet bah, à la base de faire énormément de dégâts. Donc le cooldown est très petit du côté de... Comment dire, le cooldown est très petit. Oula. Voilà, on a aidé notre pote. Et là, on a notre ultime. Et on est mobile pendant l'ultime. À un point qu'on va faire pas mal de dégâts. Vous allez voir qu'après, quand on va relancer notre ultime, ça va être énorme. Elle est juste hyper cool comme perso. Donc là, on va lancer une arme de dégâts. Et on va lancer ça. Et on est mobile, donc comme je vous ai dit, pendant l'attaque. Voilà. Nickel. Et puis, bah, on va arriver au point final. Mais on a gagné dans les deux cas, c'est pas grave. On a bien géré contre cette équipe en face. Avec nos petites Moira. On va la marquer GG au pote. C'est moi qui ai fait l'action de la partie? Vous êtes sérieux? Waouh. Waouh. On va quand même voter pour celui qui a le plus hein, Maxence. T'as quand même... Allez, on va voter pour Akash parce qu'il a pas de vote et on est quand même quelqu'un de très gentil. On a fait Rashkit l'équipe en face. Mais c'est nickel, la première game, on va au moins s'en faire deux avec Moira. Et dites-moi ce que vous en pensez, moi je suis hyper fan. Alors là, hyper fan, je pense qu'on fera une ellipse, on se retrouve juste de suite pour la deuxième partie, les amis. En attendant de Linjong, lentement je l'ai contourné. Ok, d'accord. J'arrête mes conneries, je sais, on part sur Moira. Et on y go direct, même si on dirait qu'on a gagné déjà la partie. C'est un véritable bordel. Waouh, 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 c'est quoi cette merde? Y'a plein de bouboules! 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 Ok, c'est en mode sans limite! Non mais c'est le bordel, c'est interminable en mode sans limite. Wow. Non mais c'est le bordel. Qu'est-ce qui m'a pris d'aller dans une partie personnalisée avec des Moira?
Oh là, c'était le bordel, sérieux. Putain, j'apparais dans une game où c'est le bordel comme ça. Non, mais il faut arrêter. C'est la disco party! Allez DJ, vas-y, fais péter le son! On va essayer de faire ça, histoire de temporiser. Allez, dégage toi, je t'ai fait mal. Allez mon coco. Allez, dégage. Allez, crève, saloperie. C'est le bordel. C'est n'importe quoi. Non mais je suis concentré, mais dans ma tête je sais que c'est le Dawa. Dans ma tête je sais que c'est le bordel international. Toi tu vas pas t'enfuir tout le temps, voilà. Allez, je suis désolé pour vous les amis, mais c'est le véritable Dawa, mais c'est énorme, c'est énorme.
Une mitripette. Eh ouais, une tripette dans ta gueule. C'est ça, Dridri. En mode one again full disco. C'était du n'importe quoi. Eh ben franchement, j'ai envie de dire c'était hyper fun. Donc on va faire aller sur Lucas et on va donc dans la touche échappe. On va attendre déjà qu'on gagne l'XP. Voilà, on monte de niveau. On peut quitter la partie. Et on va se laisser là les amis. En tout cas j'espère que bah, la première vidéo qui était la présentation basique de Moira, et le deuxième on s'est fait une mode what the fuck bull disco de sa mère. C'était assez drôle. Mais bon, si vous voulez d'autres vidéos de Moira, dites le moi et on en fera. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Ciao ciao Mina.